on est de retour avec notre dernière démonstration. Et notre dernière démonstration, c'est le kickboxing. Et le kickboxing du Iceman Jean-Yves Thériault. Wow. C'est superbe, 23 fois champion du monde. Et Jean-Yves va nous démontrer des exercices qu'il faut en kickboxing. Un, pour ceux qui ne veulent pas faire de combat, c'est du fitness. Mais vous allez remarquer que dans la foule, il y a aussi Benoît Ladouceur, qui est champion du monde amateur et un élève de Jean-Yves Thériault. Et Jean-Yves, en faisant ces exercices et cette démonstration-là, c'est pour préparer le prochain gala du 4 novembre. On va le voir ça dans un instant. Bon, Martin, là, aujourd'hui, on a quelqu'un d'un spécial ici qu'on va voir, là, une belle démonstration de kickboxing avec un ancien champion du monde, Jean-Yves Thériault. Ouais, écoute, je connais Jean-Yves, je ne vais pas le faire vieillir, là, mais quand j'étais jeune, je l'admirais. C'est certain que si... Mais est-ce que champion ça... pendant combien de temps? On peut dire, genre une dizaine d'années? Plus que ça, je pense, oui. Je me souviens pas exactement du nombre d'années, mais on l'appelait The Iceman, puis il gagnait ses combats, c'était jamais très long. Il était très, très efficace dans ses frappes. Ben oui, mais oui. Puis il a l'air quand même en forme, malgré son âge, là. Ouais, ben c'est ça, il est rendu du vieux, mais je fais exprès, je le taquine. Mais non, écoute, il était en très grande forme. C'est impressionnant de le voir. Là. C'est quelqu'un qui a beaucoup... beaucoup donné pour son sport. Il a beaucoup donné et il a encore beaucoup à apporter ben oui. à son sport. Il réalise encore des compétitions de kickboxing. Absolument. Il est encore dans le mouvement. Très impliqué. Puis on le voit que les entraînements, puis pour avoir participé à quelques-uns de ses entraînements, c'est toujours encore là, fait avec beaucoup d'intensité. On voit ici, ça n'a pas de l'air fort, les frappes, mais encore là, il y a des frappes qui sont faites pour immobiliser un adversaire ou un partenaire, mais il y en a d'autres aussi qui sont faites pour garder une distance de façon à donner justement le coup de pied qu'on voit. Donc, les coups de poing ne sont pas obligés de toujours être bien puissants, mais ils peuvent aussi créer l'ouverture nécessaire pour donner... Tu vois, l'entraînement kickboxing, c'est vraiment un entraînement complet. Moi-même, j'en ai fait pendant de nombreuses années. Écoute, c'est un sport complet pour te remettre en forme. Je pense que c'est un des meilleurs sports que moi j'ai fait dans ma vie. Ça travaille les jambes, le cardio, la coordination, en même temps l'autodéfense puis la discipline aussi. Hein. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est tous les membres du corps ils participent à l'effort. Alors, c'est très demandant et oui, ça permet de garder la forme ou de reprendre la forme. Le plus pire, c'est que dans les années 95, quand je vois ma première école, l'Académie sportive, j'étais un des premiers à Montréal qui avait commencé les années 90 à donner des cours de kickboxing pour les femmes. Ça n'existait quasiment pas. Même les cours de boxe n'existaient pas pour les femmes dans les années 80-90. Mm-hmm. Puis ça s'est développé avec le temps. Puis là, aujourd'hui, on retrouve quasiment plus de femmes que d'hommes dans les cours de kickboxing. Effectivement. Pour, justement, comme tu disais, pour la mise en forme, mais également pour l'aspect confiance, autodéfense, c'est ce que ça permet de faire. Et en même temps, il ne faut pas se le cacher, d'être capable de frapper quelqu'un à pleine puissance dans des entraînements, comme on va le voir là avec les protections comme ça ici, c'est quand même, ça donne la confiance qu'il faut pour savoir... Ça défoule. Ça défoule, oui. Vous pouvez mettre le nom de votre visage de votre mari sur un pad, puis il n'y a pas de problème, c'est légal. Effectivement, mais en même temps, c'est que ça donne la confiance nécessaire. C'est quoi que ça veut dire frapper sur quelque chose qui est fixe ou quelque chose qui est mobile? Là, dans ce cas ici, c'est une personne qui tient un makiwara. Mais c'est quand même tout un feeling. Puis c'est quand même demandant parce que là, en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Là? Juste faire ça pendant des fois 2 à 3 minutes, ça demande beaucoup de cardio. Là. Totalement. Totalement. Et c'est les jambes. C'est un groupe musculaire. Les jambes, si on ne fait pas de jogging, on marche tous les jours. Là, mais si on ne fait pas de jogging, il y a une grosse masse musculaire et ça fait pomper le cœur. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis tu vois que toi, Jean-Yves, c'est encore des pads, il est là. Puis. Écoute, il y a son frère, Victor Thériault, dernièrement, qui a organisé à Soudan, je pense, des combats de kickboxing amateurs et professionnels. Exactement, qui est en train d'essayer de relancer, si on veut, la notoriété là, du kickboxing. Et puis, jusqu'à maintenant, ça va quand même assez bien, son affaire. Oui, c'est vraiment bon. Ouais. Là, on peut voir une combinaison de coups de crochet, de gauche-droite. Mm-hmm. Tout à fait. Et c'est Jean-Yves là, qui sert de... Il est encore capable de tenir une mitaine. Oui, capable d'être. Il regarde l'émission, ils vont rire un peu, ils vont dire, ah, mais maudit. Ah, tout à fait. Non, là, c'est ses élèves présentement qui sont là. Exactement, ce sont ses élèves et on voit que ce sont des coups à répétition. Encore là, il y a toute une question d'ancrage au sol là, pour être capable de donner des coups comme ceux-là. Ça se fait avec les hanches aussi. Là. Exactement ça. Ça vient, ça part du sol, ça passe par les hanches. Wow.
En tout cas, on a assisté à vraiment une belle démonstration. Fait que nous, on se retrouve en studio dans quelques instants.